Salut tout le monde, on se retrouve pour un vlog cinéma. Je vais vous parler d'un film français cette fois que j'ai été voir hier, voilà. Un film français de Sébastien Marnier qui s'appelle Irréprochable. Avec au casting Marina Foïs, Jérémy Elkaïm, Joséphine Japy. Et d'autres personnes, comme par exemple Benjamin Biolay, ou aussi Jean-Luc Vincent, ou aussi Jeanne Rosa. Enfin voilà, il y a de la personne, il y a du monde. Irréprochable raconte l'histoire de Constance, qui est jouée par et incarnée par Marina Foïs, donc est... n'a plus de se retrouve au chômage, enfin n'a pas vraiment de travail à Paris. Du coup, elle décide de revenir dans son village d'enfance. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est là où elle a grandi. Pour retrouver son poste là-bas, en essayant de demander à son ancien patron de la reprendre puisqu'elle n'a plus de travail. Et son ancien patron lui dit bah ouais, mais bon, tu nous as un peu lâché la dernière fois comme des merdes. On va prendre quelqu'un d'autre à ta place. Ah merde. Et donc, elle va essayer de tout faire pour récupérer son poste, malgré qu'il y ait une petite jeune qui l'ait récupéré. Voilà. Donc, pourquoi j'ai été voir ce film déjà? Je pense que vous allez vous poser la question. Bon, vous savez que j'ai des goûts. On ne sait pas. Je pense que la plupart des gens qui me regardent se disent à chaque fois pourquoi il a été voir ce film, tu vois, le gars. Non, tout simplement parce que j'aime beaucoup Marina Foïs. Je suis un très très grand fan des Robin des Bois. Notamment de Sophie Pétancule, mais aussi de plein d'autres personnages des Robin des Bois. Et donc j'aime beaucoup Marina Foïs, j'ai adoré le film avec tous les Robin des Bois et Alain Chabat donc, à la réalisation. Donc voilà, Marina Foïs, moi c'est une actrice que je trouve géniale, qui joue trop bien, qui est cool, qui a l'air. Donc j'adore cette actrice et donc. Ce film-là est vraiment tourné tout autour d'elle. C'est-à-dire que on voit quasiment que elle pendant tout le film. C'est un truc de ouf. Elle est quasiment H24 sur l'écran. Donc c'est vraiment un film qui tourne autour de son de Constance, du coup, de son personnage dans le film. Et donc voilà, je me suis dit que j'aurais bien aimé aller le voir, puisque j'aime beaucoup l'actrice. Donc, que retenir de ce film? Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un film français, donc voilà, je vous ai dit, Sébastien Marnier, qu'est-ce qu'il a branlé comme truc, lui. Et donc voilà, c'est son premier film, et donc il est réalisateur et scénariste de ce film. C'est un film un peu particulier, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auront du mal avec ce film, parce que ça parle... il se passe pas grand-chose... Mais il se passe des trucs... quand il se passe quelque chose, c'est quand même intéressant. Je sais pas, j'ai vraiment pas comment parler de ce film, en fait. Je sais que j'ai adoré l'ambiance. Marina Foïs, elle joue tellement bien, les gars. Elle est complètement tarée dans le film, elle fait bader. Elle fait bader. En fait, elle joue un rôle un peu de stalkeuse. Ouais, vachement introvertie, un peu... Pas schizo, mais elle a un pet à la gueule, tu sens qu'il y a un problème. Et du coup, en fait, au fur et à mesure que le film va avancer, elle va faire des choses, elle va être dans des situations et tout, et au fur et à mesure, on va comprendre un peu les choses, on va se dire, ah, mais c'est pour ça qu'elle fait ça, ah, mais en fait, sa vie, c'est ça. Et du coup, en fait, on apprend des choses sur sa vie au fur et à mesure du film, et on se dit, ah ouais, non, mais c'est chaud, en fait. Alors, je vais essayer de pas faire une critique avec du spoil, parce que je vous invite vraiment à aller le voir, vraiment le mater. Puis, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à spoiler, mis à part la fin. Mais ouais, elle joue vraiment la meuf tarée, et j'ai été voir le film avec Marc, et genre, à un moment, il me regarde dans la salle, il fait, putain, ça fait plus badé que Conjuring 2, mon poste. Et j'ai fait, ouais, mon poste. La bande-son donc est composée par Zombie Zombie, c'est un groupe français de musique électro, il y a vachement de synthé dedans. C'est quasiment que, ouais, c'est vraiment du synthé à 85%, et c'est vachement des musiques d'ambiance, un peu glauque, un peu... Il va se passer un truc bizarre, qu'est-ce qui va se passer, Et c'est vachement des plans où elle est un peu en réflexion, en truc, on a un moment, une scène où elle est en boîte de nuit et...
elle voit donc la meuf qui est en train de draguer un mec et elle est là en train d'observer dans un coin, tu vois, et il y a des musiques, il y a de la, il y a ces musiques un peu au synthé, un peu stridentes qui arrivent en répétition, tu vois, et il y a des lumières un peu la Spring Breakers, vous voyez, avec des néons de belles, de genre un peu de rose, un peu de jaune et tout sur sa gueule qui, tu sais, qui change de couleur, et t'as cette zik et ça, tu vois, t'as un plan sur sa gueule et c'est vachement, ouais, c'est vachement oppressant comme musique. Et t'es toujours un peu dans le doute, tu sais pas ce qui va se passer. C'est vraiment, vraiment pas mal. Et du coup, ça m'a vachement fait penser à l'OST des films de Quentin Dupieux, comme Steak, comme récemment Réalité. Voilà, c'est des musiques au synthé, un peu stridentes, avec des rythmes parfois un peu cassés, mais voilà, des mélodies qui sont. C'est pas des musiques que tu vas genre écouter au calme dans le bus, tu vois. Bon, je prends jamais le bus, mais enfin, tu m'as compris. C'est des musiques vraiment qui sont faites pour habiller un plan, quoi. C'est pas des musiques que tu vas écouter comme ça en kiffant, genre ça. Oh, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, je kiffe. Ouais, après, tu peux kiffer, hein, mettre ça en son d'ambiance et tout, mais ça stresse un peu les gens, tu vois. Donc, ouais, l'OST est vraiment dingue. Malheureusement, il y a genre 2-3 zics dans le film, puis il y en a une qui revient assez souvent. Voilà, donc c'est pas ouf, la zik du générique de fin, c'est pareil, c'est un truc, t'es là, tu fais, mais wow, la musique est trop bizarre, tu vois. Donc vraiment, l'ambiance musicale est trop trop stylée, j'ai adoré. Et donc ouais, voir Marina Foïs dans un rôle comme ça, aussi sérieux, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, quoi. C'est là que tu te rends compte que c'est une putain d'actrice, quoi. Elle peut jouer un rôle de meuf complètement ouf, complètement à l'ouest, mais tellement bien. Et elle fait bader, quoi, pendant le film, t'es là, tu fais, mais... Si elle venait en face de moi quand même, ça, j'aurais trop peur qu'elle pète un câble, on sait pas, tu vois, on sait pas ce qu'elle fait. Ouais, c'est... voilà, il y a vraiment vachement de trucs misés, enfin c'est vachement misé sur l'ambiance musicale pour certains plans, donc c'est vraiment cool. Après, l'histoire en elle-même est pas ouf, c'est le genre d'histoire assez classique, on va dire... ouais, un truc un peu mélodramatique français, genre, voilà, je reviens dans mon village d'enfance et il se passe des trucs un peu mystérieux, voilà. Sauf que là, au final, c'est pas tout à fait ça, puisque c'est la meuf qui est la cause de tous les trucs chelous dans le film, c'est à cause de Constance, tu vois. Et on a des révélations tout au long du film, et c'est là que tu te rends compte, tu dis, ah ouais, d'accord, ok, tu vois. Et donc, voilà, le scénar est pas dingue. Mais il y a des petits rebondissements, des petites révélations vers la fin qui sont intéressantes, qui sont pas mal, notamment une, bon, je n'en parle pas, mais on s'est regardé avec Marc, genre on était là, non, mais tellement ouf, quoi, putain, merde, tellement ouf, quoi, et donc, du coup, je sais pas trop quoi vous dire sur le film, mis à part qu'il est vraiment bien, et il faut le voir, peut-être pas aller au ciné. Ouais, parce que c'est pas un film vraiment où t'es submergé si tu le vois au ciné. Attendez peut-être qu'il passe à la télé ou qu'il sorte sur le net, mais si, voilà, si vous savez pas quel film aller voir, franchement je vous conseille d'aller voir. Et du coup, je vais vous parler vite fait de la scène de fin, parce que pour moi c'est la meilleure scène du film. Il s'est passé un événement et Constance donc va arriver à l'agence. Et elle est dans le doute, elle ne sait pas. Elle sait pas vraiment ce qui se passe. Et nous non plus, on sait pas. Parce que, je vous dis, le film est vachement centré. C'est tout le temps selon le point de vue de Constance, si vous voulez, pendant tout le film. Donc du coup, on pense toujours que... Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est comme si c'était un genre de FPS, tu vois. C'est pas un FPS, mais... C'est-à-dire que on a toujours le point de vue de Constance. C'est tout. C'est tout. C'est du coup, on voit pas trop comment c'est à l'extérieur, mis à part quand elle va à l'extérieur, quand elle va rencontrer les gens et tout. On sait pas comment les gens ils sont à l'extérieur, tu vois. C'est elle qui va les voir et du coup, on les voit à sa manière, tu vois. Et du coup, on sait pas si elle dit vrai, si c'est le mec qui dit vrai, si le mec c'est un connard, si elle c'est une connasse, on sait pas. On sait juste que voilà, elle c'est la meuf, tu vois. Et on va suivre sa live, tu vois, et c'est tout. Et en fait, à la scène de fin, ça, tu le ressens de ouf, parce que donc, elle apprend quelque chose, enfin, voilà, elle a un coup de téléphone ou je sais plus quoi, et donc, on lui apprend quelque chose au téléphone, elle va là où elle doit aller, donc à l'agence,
Et en fait, la caméra, je vous jure, elle la suit. Et elle est vraiment collée à elle. Elle est vraiment collée à son fion. Et elle marche un peu vite. Elle court un peu, tu vois. Et elle va jusqu'à l'agence, tu vois. Et tu te dis, mais vite, j'ai tellement envie de savoir ce qui se passe, que machin, tu vois. Et elle, en fait, t'es comme elle, t'es perdu. Tu te dis, mais putain, qu'est-ce qui va se passer et tout, machin. Comment les choses vont être gérées, tu vois. Et la caméra, elle est derrière elle et t'attends qu'elle arrive. Et elle galère un peu à marcher, tu sais, elle va comme ça, tu vois. Tu fais, putain, dépêche-toi et tout. Et t'es dans le truc, tu vois. Et c'est vachement une scène oppressante parce que c'est de la cam, je vous jure, elle est vachement rapprochée. Et du coup, t'es avec elle, quoi. Et elle est en stress, toi aussi, du coup, tu vois. Et voilà, et c'est. En gros, c'est à la scène de fin, vraiment la scène finale, où on voit Constance d'une autre manière, via, en gros, les yeux d'un mec qui bosse à l'agence, un mec de l'agence. Il a Matt comme as, tu vois. Et on la voit et on se dit, ouais non, c'est chaud quand même. Et en fait, vraiment, pendant tout le long du film, je vous ai dit, c'est le point de vue de Constance, t'es tout le temps avec elle. Et en fait, plus ça avance et plus tu apprends des choses sur elle. Et du coup, plus tu te détaches un peu, tu repenses à quelques scènes des autres mecs ou des autres gens qui l'ont vu et qui lui parlaient un peu comme de la merde. Tu dis, effectivement, machin. On a vraiment cette scène-là qui est vraiment à la fin où on s'en rend compte. Enfin, on a un peu un regard extérieur à Constance. Et du coup, on s'en rend un peu compte de comment elle est, quoi. Voilà. Donc, vraiment un très bon film. Il fait 1h40, 45, un truc comme ça. Il est un peu long, mais ça va. On se fait pas chier, on s'emmerde pas. Et les acteurs sont tous bien. Même Benjamin Biolay, il a un rôle. Mais alors, toutes les scènes avec Benjamin Biolay, mais t'es mort de rire, quoi. Franchement, mais c'est excellent, quoi. En fait, c'est un genre de plan cul, quoi. Ah putain, mais ça me fait trop marrer. Franchement, t'as des scènes, mais. Ah, voilà, je peux pas tout vous dire, sinon je vous gâcherai le plaisir. Mais vraiment, voilà, toutes les scènes avec Benjamin Biolay, c'est vraiment très drôle. Et comment il se parle, même des fois quand elle l'appelle au téléphone. Enfin, c'est juste super marrant, quoi. Genre, elle lui sort des trucs du style. Ouais, vas-y, j'ai la chatte écartée, j'ai envie de t'en foutre. Ah, d'accord, ok, d'accord. Alors bon, bah voilà, tu vois. Donc, c'est vachement, ouais, c'est le plan cul. Donc, tu vois, c'est vraiment, ils sont vraiment violents, tu vois, quand ils ken et tout. Donc ça, c'est ouf. Truc de ouf aussi, Marina Foïs est quasiment tout le temps à poil. Bon, c'est pas pour me déplaire, hein. Moi, j'aime beaucoup la personne, mais bon, il y avait quand même quelques scènes. À chaque fois quand je la revoyais à poil, je fais les gars, putain. Cette scène, vous auriez pu ne pas la mettre ou l'habiller. Parce que là, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'elle soit. Voilà. À un moment, elle va fouiller dans un placard et casser un truc. Elle est assise à poil. Non, tu peux être assise en t-shirt. Non, t'es à poil. Ah, d'accord, ok, d'accord, à poil. Donc, ouais, elle est tout le temps à poil. Donc, si tu veux te rincer l'œil sur Marina Foïs, tu peux y aller. Par contre, si tu la trouves dégueulasse, non, tu vas pas kiffer du tout ta mère. Alors là, non, tu vas claquer des renards pendant tout le film. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, j'ai pas grand chose d'autre à dire, ce sera un petit vlog ciné assez court. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de vlogs ciné là, enfin il y en a encore deux que je vais faire, deux films d'Ellen Page qui sortent là, en même temps. Donc les gars, il va y avoir deux autres vlogs ciné là, donc si vous aimez pas ça, bah regardez pas, mais voilà, je vous aurais prévenu. Voilà, écoutez, allez, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.